vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tutoriel maquillage et je vais vous montrer comment faire ce maquillage-ci. Vous êtes plusieurs en commentaire ou bien sur les réseaux sociaux à m'avoir demandé un smokey eyes bleu. Alors voilà, j'ai décidé de vous le faire aujourd'hui. Donc si cette vidéo vous intéresse, je vous laisse tout de suite la regarder. Comme toujours, et c'est essentiel, je commence par mettre ma base partout sur ma paupière au doigt. Je vais réaliser ce maquillage avec ma palette mat de chez Bébé Cosmique. Et je commence avec un fard blanc et un pinceau dense. Et j'en applique sur ma paupière fixe, au niveau de mon creux de paupière, en tirant la matière jusqu'au coin interne. Cela va en fait me servir de couleur de transition, mais aussi à rendre mon maquillage plus lumineux. Avec un pinceau rond, je prends mon fard bleu le plus clair et je l'applique dans mon creux de paupière. Et légèrement au coin interne. Avec un pinceau dense, je prends le bleu intermédiaire et je viens en appliquer sur toute ma paupière mobile. Puis, avec un pinceau plat, je prends le bleu le plus foncé afin d'intensifier mon maquillage. J'en applique au niveau de mon ras de cils supérieur en le prolongeant en triangle au coin externe. Et j'en mets également au niveau de mon ras de cils inférieur. Je viens ensuite flouter le tout avec un pinceau estompeur vierge afin d'obtenir un maquillage fumé. J'estompe bien avec des mouvements de rotation et c'est certainement l'étape la plus longue mais aussi la plus indispensable pour un joli rendu. Je viens mettre du crayon blanc en muqueuse. Je reprends mon pinceau dense de départ avec mon fard blanc pour venir flouter un peu plus le bleu sur ma paupière fixe. Avec un petit pinceau plat et un pigment blanc, je viens apporter de la luminosité à mon maquillage en l'appliquant au coin interne. Je prends maintenant un eyeliner crème bleu nuit que je viens appliquer avec un pinceau biseauté. Je recourbe mes cils et je viens appliquer généreusement du mascara sur mes cils supérieurs et inférieurs. Ce maquillage vous aura plu. Si jamais vous le refaites ou si je vous ai inspiré pour une occasion ou autre, ça me ferait super plaisir de voir le résultat. Et donc n'hésitez pas à le partager avec moi sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram ou encore sur Snapchat, il y a l'embarras du choix. Pour les réseaux comme Twitter et Instagram, vous pouvez le partager avec le hashtag maquillagebdb. Et sur Snapchat, il suffit de m'ajouter avec le pseudo bulle de beauté. En plus, sur Snapchat, depuis peu, ça fait à peu près 3 semaines que j'ai ce réseau, je vous partage des exclusivités, des avant-premières de ce qui va sortir sur ma chaîne et vous avez un petit peu plus de ma vie privée entre guillemets. Et également sur Twitter où je suis plutôt pas mal présente. Donc voilà, je vous invite à me rejoindre sur les réseaux sociaux si vous en voulez un petit peu plus. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, c'est le moment de le faire, comme ça vous ne raterez plus aucune de mes vidéos. C'est 100% gratuit et ça me fera énormément plaisir de voir que le contenu que je vous propose vous plaît. En attendant ma prochaine vidéo, portez-vous bien et moi je vous fais plein de bisous. Si tu veux voir encore plus de vidéos, n'oublie pas de t'abonner.